Alors, ce qu'on va faire aujourd'hui, on va commencer à rentrer un petit peu plus dans les détails techniques, donc des nouvelles techniques mathématiques qui vont nous servir pour la relativité. Dans les trois cours qu'on a fait avant, je vous ai montré un petit peu des généralités. On a fait beaucoup de raisonnements assez qualitatifs dans un premier temps, le gars dans un train qui regardait les montres de l'extérieur et vice-versa. On a quand même réussi à mettre en évidence des effets nouveaux et non intuitifs, la contraction des longueurs et la dilatation des durées. Et aujourd'hui, on va commencer vraiment à rentrer un petit peu plus dans le détail, et je vais vous parler d'objets mathématiques qui s'appellent des quadrivecteurs, qui vont permettre de simplifier énormément l'étude de la relativité. Donc je vais vous dire pourquoi un petit peu après. Donc ça s'appelle chapitre 2, quadrivecteurs. Et alors, avant de vous présenter l'intérêt de ces quadrivecteurs, je vais faire des rappels sur les vecteurs usuels, des choses que certaines vous avez vues et d'autres peut-être non. Allez, quiz 1. Qu'est-ce qui peut me dire ce que c'est qu'un vecteur ? Ok. Vas-y. C'est un élément d'un ensemble. Ok, un espace. Un espace qui a deux opérations définies. Et, okay. Alors, ce que tu es en train de... Je vais essayer de le reformuler d'une manière qui va coller à ce qu'on va dire ici. Ce que tu veux me dire, finalement, c'est qu'un vecteur, c'est un élément d'un espace vectoriel qui est un ensemble mathématique qui a des propriétés particulières. Un ensemble, je ne vais pas faire un cours ici de maths, hein, mais vous avez vu les espaces vectoriels. C'est des ensembles dans lesquels on peut faire des additions, on peut faire des combinaisons linéaires d'éléments, multiplier un élément par un nombre pour qu'il soit deux fois plus grand ou deux fois plus petit. Voilà, on sait faire tout ça dans un espace vectoriel. Effectivement, ça c'est une définition un petit peu abstraite. Vous avez probablement... Alors je vais te donner la parole, mais d'abord, les trois lycéens, est-ce que vous avez déjà entendu le mot vecteur ? Oui. Ouais. Qu'est-ce, si je vous dis c'est quoi un vecteur, qu'est-ce que vous avez envie de me dire ? Très bien. Genre, si tu avais la craie ici, tu aurais dessiné une flèche et tu aurais dit voilà, c'est un objet de ce type-là, un truc comme ça, qui a effectivement une direction donnée, là c'est la direction sur le papier, et puis un sens, ça va par là-bas. Ça, vous avez vu ça comme ça avant en cours. Les autres, ça vous convient aussi, ça. C'est comme ça qu'aussi vous l'avez introduit en mécanique, hein, quand on décrit les forces par des vecteurs, c'est ça qu'on fait. Est-ce que c'est quelque chose comme ça que tu voulais dire aussi ? Ouais, je veux dire qu'il y a une norme. Il y a une norme, effectivement, on peut associer une longueur à ça. Donc quelque chose qui a une direction, une norme, effectivement. Alors, je vais ici plus m'intéresser à cette vision-là. Il se trouve que ces objets-là, quand on les définit proprement, ça représente effectivement, ça appartient à des... ça forme des espaces vectoriels, et ça rejoint la définition que tu donnais. Mais c'est plutôt à ça que je vais m'intéresser ici. Donc, les vecteurs, on peut les voir, les vecteurs dans l'espace tridimensionnel, ce sont des objets, effectivement, qui ont un sens, une direction, et quand on veut les décrire de manière un peu plus précise et quantitative que ça, ce qu'on fait en général, c'est qu'on définit un repère dans l'espace qui nous intéresse, c'est-à-dire on prend un point de référence, ce qui ici ne va pas trop servir pour les vecteurs, et on prend une base, donc trois vecteurs, qui pointent dans une direction différente, et qui vont nous permettre de repérer la direction des vecteurs qu'on va mettre dedans. Et je vais ici prendre une base qui est orthonormée. Dans tout ce qui va suivre, les bases vont être orthonormées. Ce n'est pas du tout obligatoire pour la suite, mais il y a certaines
propriétés qui vont être plus simples pour ces conditions. Une fois qu'on a une base pour un vecteur, on peut écrire ses coordonnées dans la base. Bah, typiquement, si j'ai un vecteur V voilà, qui est comme ça, prof, bah, si je définis une base avec un vecteur ici, ux, qui pointe dans une direction que je vais appeler x, ici, une direction uy, bah, on peut écrire les coordonnées de ce vecteur-là. On écrit que ça, c'est vx fois ux plus vy fois uy plus vz fois uz. J'ai pas mis ici z, mais en trois dimensions, ça ferait ça. Et ces trois trucs-là, là, vx, vy, vz, c'est ce qu'on appelle les coordonnées du vecteur. Voilà, on écrit ça comme ça. V a pour coordonnées vx, vy, vz. Bon. Donc on arrive ici au point que vous connaissez, en gros, quand vous arrivez en L1, ça vous le savez déjà à peu près, on vous le rappelle. Alors, un vecteur, ça a une propriété particulière, un vecteur de l'espace ici, c'est que les coordonnées qui sont ici, elles sont pas, c'est pas simplement des nombres arbitraires, donc ça décrit le vecteur, et on peut écrire la manière dont ces vecteurs, dont ces coordonnées se transforment quand on fait un changement de base. Là, on a pris une certaine base, et je peux très bien choisir d'en prendre une autre. Par exemple, imaginez que finalement cette base-là ne m'arrange pas du tout pour une raison ou pour une autre, et j'ai envie d'écrire les coordonnées du vecteur dans une autre base, ici, qui va être tournée par rapport à la première, d'un angle θ. Voilà, donc, j'ai une autre base. Donc quand on va décomposer V sur la base rouge, ben, on va maintenant obtenir des coordonnées qui sont différentes. J'ai mis des primes ici sur les coordonnées, sur les grandeurs qui concernent la nouvelle base. Et V, je peux aussi l'écrire, ce même vecteur V, je peux aussi l'écrire V'X fois Y' plus V'Y fois U'Y. Et puis j'aurais écrit le troisième que je ne vais pas dessiner, mais il pourrait aussi y avoir une composante plus dans Z, V'Z, U'Z. Et on sait exactement comment V'X, V'Y et V'Z se transforment en fonction de VX, VZ. On va dire autrement, on sait qu'on peut écrire les expressions de ces coordonnées-là primées en fonction des anciennes, connaissant la transformation. Ici, pour une rotation, par exemple, pour la rotation que vous considérez, vous avez vu en maths, vous avez vu au moins en maths, peut-être même en physique à certaines occasions, que les coordonnées primées s'écrivent en fonction des anciennes, de cette manière-là. Ça s'écrit avec une matrice. Y et Z. Voilà. Donc voilà comment les nouvelles coordonnées sont obtenues en fonction des anciennes. Ça, là, ce que j'ai écrit, c'est les coordonnées du vecteur position, par exemple, mais tous les vecteurs de l'espace se transforment de cette façon-là. Si j'ai un vecteur vitesse, par exemple, là, c'est le vecteur position, si je dessine aussi, là, la flèche V qui est là-bas représente le vecteur vitesse, eh ben, j'aurai aussi V'X, V'Y, V'Z qui se transforme. Je ne vais pas le réécrire ici au tableau, mais exactement de la même façon, je vais marquer I pour idem, VX, VY et VZ. Et vous pouvez remplacer ici ce que vous voulez comme grandeur vectorielle, l'accélération, la quantité de mouvement, tout ça. Du moment qu'ici vous avez les quantités non primées et ici les quantités primées, effectivement ça va se transformer de cette manière-là. C'est la même matrice ici pour tous les vecteurs. Une fois qu'on a donné la transformation, c'est la même matrice ici pour tous. Donc le caractère, vas-y. C'est dans le cas d'une rotation autour de l'axe. Oui, effectivement, ici j'aurais dû le préciser, c'est la rotation ici qui est dessinée au tableau, donc ça correspond ici effectivement à une rotation d'axe Z. Donc voilà, un vecteur, c'est quelque chose qui se transforme comme ça. Un vecteur de l'espace tridimensionnel, c'est quelque chose qui se transforme comme ça. Ça, c'est pour vous dire quelque chose qui n'est pas forcément évident, si vous avez pas réfléchi, c'est qu'il ne suffit pas de mettre trois nombres en colonne pour former un vecteur. C'est beaucoup plus compliqué que ça, c'est plus riche que ça. Par exemple, vous avez probablement commencé à faire de la thermo. Non, pas la thermo, si, la thermo. Vous avez vu que l'état d'un gaz, d'un système, c'est décrit par trois grandeurs, pression, volume, température. Vous avez vu ça? Ouais. Vous pourrez se dire, tiens, je vais faire mon matheux, tu as pris les... Non, ok. Imaginons que vous voulez faire votre matheux, vous dites, tiens, je vais mettre la pression, le volume et la température en colonne.
fait VT. Voilà, c'est la ça, c'est effectivement trois nombres, je les mets en colonne, ça ressemble à un vecteur. C'est idiot. Il y a peut-être des moyens de faire intelligemment, hein, je ne sais pas, mais juste faire ça et se dire, tiens, je vais représenter ces trois grandeurs-là et les mettre comme ça et faire un vecteur, c'est idiot dans la mesure où, si vous avez un système donné qui a une pression, un volume et une température, et que vous faites un changement de... vous tournez un axe dans l'espace, tourner l'axe, ça ne va absolument pas changer la pression, la température ou le volume de votre gaz, et ça, ce n'est pas du tout quelque chose qui va se transformer de cette manière-là. Donc un vecteur, c'est quelque chose qui se transforme d'une manière très particulière. Et pour terminer sur ces rappels-là, pourquoi est-ce qu'on insiste comme ça à vous embêter avec les vecteurs dès que vous arrivez en L1? Parce que c'est un peu compliqué. Nous, on aimerait bien ne pas vous parler de vecteurs, en fait. Plus précisément, on voit bien que c'est vraiment une des notions mathématiques qui pose vraiment problème aux étudiants. Quand vous arrivez en L1, on vous parle de vecteurs, de projections, et vous mourrez tous. Donc la notion de vecteur, elle est importante, on l'introduit tôt dans votre cursus, et la raison, c'est ce que je vais dire ici. Écoutez bien là, parce que ce que je vais dire là, c'est vraiment la clé aussi du reste du cours. Ce que je vais dire là, on va l'appliquer après à des quantités plus générales qu'on va appeler les quadrivecteurs. Quand on écrit la relation fondamentale de la dynamique, c'est le premier truc qu'on fait en physique, on fait un cas, F est égal à M1. Ça, c'est un vecteur et ça c'en est un. Et l'intérêt d'utiliser des vecteurs, l'intérêt que cette relation ici soit une relation vectorielle, c'est que si ça c'est vrai avec un choix de base donnée, dans un repère donné je choisis une base, d'accord, si ça c'est vrai, imaginez que dans le même référentiel, je ne suis pas en train de changer de référentiel, je suis juste dans le même, par exemple cette pièce ici, je mets une base, un axe X par là-bas, Y par là-bas, et puis Z par là-bas, et je vois que ça c'est vérifié. Et maintenant, quelqu'un d'autre a envie de faire de la physique dans cette même pièce et va prendre un autre système de coordonnées, par exemple des coordonnées sphériques, où il va prendre X par là-bas, Y par là, Z par là, voilà, quelqu'un d'un peu tordu qui va prendre autre chose. Les coordonnées de ces grandeurs-là vont du coup pas être les mêmes pour lui. Et par contre, si ça c'est vrai dans mon référentiel à moi, je vais l'écrire avec les coordonnées, ça veut dire que dans le premier référentiel, on peut l'écrire ça de cette manière-là. Fx, Fy, Fz est égal à M, Ax, Ay, Az. Ça, j'ai simplement projeté cette grandeur-là sur les trois axes. Ça, c'est les trois coordonnées de ça. Dans le nouveau référentiel, pour le deuxième gars qui a choisi un autre... Pardon, dans le nouveau repère, pour le deuxième gars qui a choisi une autre base, une autre orientation des axes. Ça, ça va être transformé, ça aussi. Mais ça va être transformé d'une manière très particulière. Ça va être transformé de cette façon-là. Ça, comme c'est un vecteur, les coordonnées primées ici, elles sont données par une certaine matrice que je vais appeler M. Pour une rotation, ça serait celle qui est là, avec Fx, Fy et Fz, d'une part. D'autre part, pour ce deuxième gars, les coordonnées primées de l'accélération vont être données par A'X, A'Y, A'Z, c'est égal à cette même matrice, fois AX, AY, AZ, hein, parce que ce sont des vecteurs. Et le truc vraiment fondamental, c'est que si ça est égal à M fois ça, c'est-à-dire ce que je souligne en jaune ici est égal à M fois ça, quand je multiplie cette égalité ici par la matrice M ici et là, j'obtiens du coup que ça est égal à M fois ça. Et j'obtiens que dans le nouveau référentiel, on a aussi une relation de ce type-là, mais avec des primes partout. Et du coup, cette relation-là, elle est vraie pour tout le monde. Voilà. Et ça, c'est parce que c'est des vecteurs. Si ça, c'était un objet qui se transforme d'une manière, et puis ça, c'était un objet qui se transforme d'une autre manière, pour le deuxième gars dans le deuxième référentiel, cette égalité-là serait brisée. Donc, d'utiliser des égalités entre des vecteurs, entre des choses qui se transforment de la même façon, ça veut dire que quand on a déterminé une égalité dans un référentiel, dans un repère, elle sera vraie dans tous les repères. Simplement parce que les objets se transforment de la même façon. Ça, c'est quelque chose qu'on va généraliser au cas d'un espace-temps à quatre dimensions. On va essayer de trouver des objets qui ont cette propriété-là, qui se transforment d'une manière bien déterminée sous des transformations du coup plus générales que des transformations d'espace, avec notamment la transformation de Lorentz. Et le but ultime de ça, c'est après d'être en mesure d'écrire les lois de la physique comme des égalités, non pas entre des vecteurs,
mais entre ces quadrivecteurs qu'on va imposer. Quand on aura fait ça, ça sera gagné. On aura écrit la loi de la physique comme des égalités entre des quadrivecteurs, on sait qu'elles seront valables pour tout le monde, une fois qu'elles sont là pour un dans un référentiel. Vas-y. Les quadrivecteurs, ce sont des vecteurs des quatre coordonnées ou c'est carrément différent? Ça va être ça, bah, je vais l'écrire tout de suite en fait. Je vais le faire, si ça ne répond pas à ta question, tu redonnes. Est-ce que vous avez des questions sur ça? Ok. Alors, petit 2, quadrivecteur. Alors, on a vu dans le début du cours là, que en relativité restreinte, on avait des transformations qui mélangeaient le temps et les coordonnées d'espace. Donc, ce sont les transformations de Lorentz. Et on a vu qu'on pouvait représenter ça par une matrice. Et on avait même écrit, je vais réécrire la transformation de Lorentz sous forme matricielle telle qu'on a écrit dans le cours. Quand on a une transformation, quand on passe d'un référentiel à un autre, le deuxième étant en mouvement suivant x à la vitesse v, que j'avais appelé la configuration standard, enfin, je vais reprendre cette appellation ici, la transformation de Lorentz s'écrit de cette manière-là. On a une matrice 4-4. Voilà, la transformation de Lorentz s'écrit de cette manière-là. Et ça faisait intervenir ici des objets à quatre composantes. C'est ça, c'est eux-là qu'on va appeler les quadrivecteurs. Un quadrivecteur, c'est un ensemble de quatre grandeurs qui contiennent C fois le temps, puis ensuite les trois coordonnées spatiales. Ça va s'appeler le quadrivecteur positif. Ça, c'est une transformation de Lorentz. Hein. C'est pas une rotation ou quoi comme on a pu voir tout à l'heure. Je vais écrire la transformation pour une rotation aussi, que vous voyez que ces objets sont bien des généralisations, des vecteurs que vous connaissez. Si maintenant je considère non pas une transformation de Lorentz, mais une rotation autour de l'axe Z, une rotation d'angle θ autour de l'axe Z, comment se transforme cette grandeur hein? Alors en fait, je vais vous poser la question, qu'est-ce que je mets comme élément dans la matrice ici, si cette fois, ce n'est plus une transformation de Lorentz que je suis en train de faire, mais une rotation d'axe θ, une rotation d'angle θ autour de l'axe Z. Vas-y. Donc ici, il y a un 1 et puis des 0 là et là. D'accord. Effectivement, la coordonnée temporelle ici n'est pas affectée par cette transformation. Et là, tu vas mettre la matrice de tout à l'heure. Effectivement. Cos θ, sin θ, 0, alors c'est pas un produit, hein, c'est vraiment les différents éléments. Moins sin θ, cos θ, 0, 0, 0, 1. Effectivement, là, ce que je suis en train de mettre là, hein, ça c'est la matrice de rotation de tout à l'heure. C'est-à-dire que les trois coordonnées x', y', z', si je fais une rotation des coordonnées, enfin de la base, et ben ça se transforme avec la sous-matrice qui est ici. Hein. Voilà. Donc cet élément-là, enfin ces trois éléments, x', y', z', eux, ils se transforment comme des vecteurs ordinaires. Merci. Quand on fait une rotation autour de cette, normalement, ça le t, x, y, z, oui. Qui entoure, z reste la même, mais x et y, elles changent. Oui, mais pourquoi c'est là, le cas ici. Pourquoi là, t, ça ne change pas? Comment on sait que t ne s'affecte pas par la rotation? D'accord, alors si tu imagines que tu as des horloges partout dans le référentiel, quelqu'un qui décide de prendre comme référentiel ici à l'axe X, l'axe Y, l'axe Z, et qui regarde les indications des horloges, il va obtenir des choses. Si toi tu décides de prendre X, Y et Z comme ça, ça ne va pas changer les indications des horloges des gens. Elles sont toujours, tu es dans le même référentiel, tu n'es pas en train de bouger spécialement par rapport à l'autre, c'est juste que tu repères les choses de manière différente. Ce qu'on a vu, c'est que les horloges nous donnent, apparaissent différentes si on commence à se déplacer par rapport à la première. Ici, la rotation, ce n'est pas un truc dynamique. Hein. Je ne suis pas en train de tourner en permanence autour de l'objet. C'est un observateur qui pointe ses axes dans une direction, l'autre qui les pointe une bonne fois pour toutes dans une autre direction. Et ces deux observateurs-là, s'ils comparent leurs horloges, ils vont trouver la même chose. Alors, ces quadrivecteurs-là, donc, ils ont des propriétés qui... Pour certaines d'entre elles, rappellent les propriétés des vecteurs normaux et pour d'autres sont assez différentes.
Donc c'est ce que je voudrais faire maintenant. Ça, je l'efface, vous l'avez dans la tête, sous les yeux, probablement dans votre cours, et puis de toute façon, je le ferai si jamais de nouveaux besoins. Alors, quand on a des vecteurs, une des choses dont on a besoin assez souvent, c'est des produits scalaires entre les vecteurs, et puis la norme des vecteurs, on a besoin assez souvent de ça. Dans l'espace tridimensionnel, je vous rappelle que le produit scalaire entre deux vecteurs était donné par ça. Et la norme, ce qu'on appelle la norme de V, je vais faire la norme au carré, le carré de la norme, c'est V, produit scalaire avec lui-même. Vous vous rappelez tous de ça ? Okay. On va faire quelque chose de similaire ici avec les quadrivecteurs. Alors je vais noter ça comme ça, un 4 vecteurs dans la suite, au tableau en tout cas, je tente de renoter le quadri à chaque fois. Pour les quadrivecteurs, par exemple un qui serait... Je vais prendre le quadrivecteur position pour l'instant, CT, X, Y, Z. Non, je vais écrire un quadrivecteur plus général, pardon. Je vais vraiment prendre quelque chose que je vais appeler VT, VX, VY, VZ, pour déjà vous habituer en fait à cette notation. Ça, c'est un quadrivecteur, donc il y a trois composantes spatiales, et puis ici, une composante temporelle. C'est vraiment un cas de composants. Quand je dis que c'est un quadrivecteur, ça veut dire que je sais comment ça se transforme si je fais une transformation de Lorentz. Ben, les quantités primées sont obtenues à partir de celle-là en multipliant par la matrice de Lorentz, comme on vient de le voir. Voilà. Je prends un quadrivecteur. Le produit scalaire entre deux quadrivecteurs, je vais noter ces coordonnées WT, WX, WY, WZ. Je vais noter le produit scalaire comme ça. On a envie, naïvement, de généraliser ça. Ne l'écrivez pas parce que ça ne va pas être ça. On a envie de d'écrire ça comme ça. VX, WX, plus VY, plus VZ, WZ. Ça, ça semble généraliser naturellement ça. Il se trouve que la quantité qui est ici n'a pas des propriétés qui ne vont pas nous intéresser, ou plus précisément, on peut définir un produit scalaire différent qui va avoir des propriétés, mais magiques. Vous allez voir. L'intérêt du produit scalaire, ce n'est pas juste pour faire des produits scalaires, c'est qu'en général, ça intervient dans les formules et tout ça. Et si on définit le produit scalaire dans cet espace-là, autrement que ça, je vais vous dire tout de suite comment, on va mettre des signes moins, là, là, là. Moins, moins, et moins. Produit scalaire entre deux quadrivecteurs, on va le définir comme ça. Et ça, vous allez voir, ça va mener à des propriétés extrêmement intéressantes. Quand on a, je vous en dis pas tellement plus que ça pour l'instant, comment est-ce qu'on, du coup, on définit la norme d'un quadrivecteur ? On va le définir comme ça. La norme au carré d'un quadrivecteur, ben c'est encore le produit scalaire du quadrivecteur avec lui-même. Alors, faites attention ici aux notations, je vais moi aussi faire attention. Je vais m'efforcer de noter avec des flèches, comme ça, les vecteurs tridimensionnels, tels que ceux que vous les connaissez. Et les quadrivecteurs, par contre, je vais noter autrement, parce que sinon, on ne va plus rien comprendre. D'accord ? Donc ici, là, déjà, je suis en train de me vautrer. Je vous propose de les noter en les soulignant. Comme ça. Ça veut dire quadrivecteur. C'est un élément à quatre composantes. Ça, je pourrais le noter ici, hein, du coup, comme ça. V égale à VT, VX, VY, VZ. Et la barre, elle est en bas. Quand vous regardez dans des bouquins, là, ce qu'on fait en général, enfin, ce qu'on fait souvent, c'est qu'on les met plutôt en gras. Voilà, le tableau, je ne vais pas réussir à le faire, donc je vais souligner. La norme au carré de ce quadrivecteur est donnée par le produit scalaire du quadrivecteur avec lui-même, ce qui, si je prends la formule que j'ai donnée juste au-dessus, est donné par VT carré, moins VX carré, moins VY carré, moins VZ au carré. Là, à ce stade, normalement, vous levez la main et vous dites « Mais là, monsieur, vous avez fumé, c'est pas possible, on va pas pouvoir s'en sortir. Ben, il y a un problème majeur avec le truc que vous venez d'écrire. » Je vous laisse réfléchir 30 secondes, essayer de voir une anomalie là-dedans, quelque chose qui risque de poser problème à un moment ou à un autre. Effectivement, il y a un problème avec le signe, potentiellement. Rien ne me garantit que la quantité qui est ici est positive. J'ai une grandeur là, un carré, c'est positif, mais j'enlève des trucs qui sont des carrés, donc qui sont aussi positifs. Cette quantité-là peut très bien être positive, négative ou nulle.
Or, j'ai dit que c'était un carré ici, là, ça commence à faire mal. La quantité qui est ici, effectivement, peut avoir des signes différents. Le carré d'une norme, quand c'est avec des quadrivecteurs, ça peut être quelque chose de négatif aussi. Donc ça, ça va compliquer. La norme d'un vecteur, la norme d'un quadrivecteur, peut être quelque chose de négatif. Donc ça, on a l'impression, du coup, que ça n'a pas trop de sens, ça complique. Encore une fois, faites-moi confiance, vous allez voir que, par contre, ça a plein d'avantages de considérer ça. Je vais m'intéresser, par exemple, pour illustrer ça, à la norme du premier quadrivecteur qu'on a vu. En fait, le seul, pour l'instant, physiquement, qu'on a vu, c'est le quadrivecteur position. Le quadrivecteur position, que je vais noter dans la suite comme ça, R souligné, qui a pour coordonnées CT, X, Y, Z. Voilà la norme de ce quadrivecteur au carré. Ça vaut CT au carré moins X2, moins Y2, moins Z2. Et je vais dessiner dans l'axe, dans le plan X, T, comme je l'ai fait déjà avant, je vais faire un diagramme d'espace-temps à deux dimensions. Je vais délimiter des zones dans lesquelles cette quantité a un signe bien déterminé. Est-ce que vous pouvez me dire où est-ce que cette quantité, le R, la norme de R au carré, est nulle dans cet espace? Sur la courbe CT. Effectivement. Donc ici, alors, dans ce diagramme-là, quand je le représente comme ça, ça veut dire que Y et Z sont nuls. On se met juste dans ce plan-là, donc c'est cette quantité-là qui nous intéresse. Voilà. Et ça, effectivement, c'est nul quand CT est égal à X, c'est-à-dire le long de cette ligne-là, qu'on appelle comment d'ailleurs ? C'est le cône de lumière, c'est la moitié du cône de lumière. En fait, si on regarde bien, si X est égal à moins CT, c'est aussi nul. Hein. Il faut en fait que X carré soit égal à CT carré, donc ça veut dire que X, c'est plus ou moins CT. Donc voilà les deux lignes ici sur lesquelles norme de R au carré est égal à 0. C'est sur le cône de lumière. Du coup, où est-ce que cette quantité ici est positive? Ben, il faut que CT carré soit plus grand que X2 plus Y plus Z2. Donc il faut qu'on soit ici au-dessus des lignes que j'ai représentées. Donc c'est dans toute la région hachurée qui est ici. Dans la région hachurée ici, R, la norme de R au carré, est une grandeur positive. Et de la même manière, alors je vais même le représenter ici comme ça, ça continue aussi en intérieur, partout ici, voilà, ce qui est hachuré en blanc, on a R carré qui est positif. Donc c'est l'intérieur du cône de lumière. Voilà. À l'intérieur du cône de lumière, cette quantité-là, on appelle ça la pseudo-norme, c'est-à-dire la norme tout court, est positive. Ce que je hachure en rouge, ici, du coup, bah, c'est le contraire. Ici, en rouge, c'est l'endroit où R carré est négatif. Les R, ils ont des flèches en bas, là. Très bien, merci. Effectivement, je vais essayer d'être rigoureux sur ça. Merci bien. Donc, ce sont des R, ce sont des quadrivecteurs, ici. Donc, ils ont effectivement le trait en bas. Merci. Alors, je vais maintenant vous donner une interprétation physique de ce signe-là. Ça intervient notamment quand on considère deux événements différents. Nous considérons deux événements, A et B. Par exemple, A, c'est quelqu'un qui appuie sur un bouton, et B, il y a une lumière qui s'allume quelque part. D'accord ? Événement A, j'appuie sur le bouton, événement B, il y a une lumière qui s'allume quelque part. Ces deux événements, là, dans l'espace-temps, on peut les représenter par des points. Ici, il y a un point A et un point B qui vont quelque part. Ils ont aussi des coordonnées. Je vais les noter R avec un A. Ça, c'est le quadrivecteur associé à l'événement A. Et j'ai aussi un quadrivecteur associé à B. Voilà. Et je peux m'intéresser à RA moins RB, la différence entre ces deux quadrivecteurs. Pourquoi pas? Vous allez voir que ça va jouer une importance. Donc ça, je peux le noter par exemple D comme différence. Voilà, quadrivecteur différence est donné par ça.
Je n'ai même pas utilisé la notation. Je veux maintenant calculer la norme de ce quadrivecteur différence. C'est ça qui m'intéresse maintenant. Voilà, la norme au carré, la pseudo-norme au carré de ce truc-là. Bon, ben ça, c'est, encore une fois, c'est facile. Hein. On fait la différence des vecteurs. Alors, je ne l'ai pas dit ici, c'était pas entendu, mais je vais quand même le dire explicitement. Quand on a deux quadrivecteurs ici, la différence des quadrivecteurs a pour coordonnées la différence des coordonnées. D'accord ? Donc les coordonnées de R1 moins RB, c'est CTA moins CTB, XA moins XB, YA moins YB, ZA moins ZB. Et donc ça, c'est donné simplement par TA moins TB au carré, moins XA moins XB au carré, moins YA moins YB au carré, moins ZA, moins ZB, au carré. Là, j'ai simplement utilisé la définition de la pseudo-norme en appliquant la différence de ces vecteurs. Et ça, on peut aussi l'écrire d'une manière un petit peu plus synthétique, carrément synthétique. Ça, ça va être delta T. Donc, c'est la différence de temps entre les événements A et les événements B. Et puis ça peut être la distance entre A et B au carré. Quand on fait la différence des coordonnées X, on met au carré, qu'on ajoute la différence des coordonnées Y au carré et la différence des coordonnées Z au carré, ça donne la distance physique entre les deux éléments. Je vais noter le petit D ici. Et du coup, on voit ici que le signe de cette quantité va être différent suivant que delta t est plus grand ou plus petit que dA2, mais ça, c'est une signification physique, le fait que cette grandeur-là soit plus grande ou plus petite que celle-là. Et ça, je vais l'appeler grand I, cette quantité-là, je vais le mettre ici. Vous allez voir qu'on va l'appeler intervalle, donc je peux autant en mettre la notation tout de suite ici. C'est cette quantité-là qui m'intéresse. I est positif à une condition, si delta t, c delta t, est supérieur à dAB. Je vais mettre une valeur absolue. Ça, physiquement, ça veut dire quoi? Le temps qui s'est écoulé entre A et B est plus grand que la distance divisée par C. Ça veut dire que le temps écoulé entre les deux événements est plus grand que le temps qu'il faudrait à la lumière pour aller de A à B. Je vais l'écrire comme ça, mais ça sera peut-être un peu plus parlant pour vous. Je vais tout diviser par C. Distance entre A et B divisé par C, ça c'est le temps qu'il faut à la lumière pour aller de A à B. Et ce que dit l'égalité ici, c'est que le temps qui s'est effectivement écoulé entre les deux événements est plus grand que le temps qu'il aurait fallu à la lumière pour le faire. Donc ça, c'est un événement qui est physiquement possible. Si A c'est l'événement, j'appuie sur un bouton, et B c'est l'événement, une lumière s'est allumée quelque part, donc, il est physiquement possible, envisageable, que le fait que j'ai appuyé sur le bouton soit la cause du fait que la lumière s'est allumée ailleurs. Il y a bien un signal qui a le temps de passer éventuellement entre mon bouton et la lampe. Ça, on dit que l'intervalle ici, ça s'appelle l'intervalle. Et on dit dans ce cas-là qu'il est de genre temps, du genre temps. Donc intervalle du genre temps, ça va vouloir dire ici un intervalle positif, et c'est un intervalle tel que, effectivement, un signal physique peut se propager entre les deux événements. Si on est dans une situation où I est négatif, ben ça du coup c'est si delta T est inférieur à dAB sur C. Là on est dans une situation où le temps écoulé entre les deux événements est plus petit que le temps qu'il aurait fallu à la lumière pour le faire. Et donc là c'est pas possible, ils ne sont pas reliés causalement. Même la lumière n'a pas le temps d'aller de A à B pendant le temps qu'il faudrait. Donc ça ce sont des événements qui sont nécessairement décorrélés causalement. Il n'y a pas de relation de cause à effet entre l'un et l'autre, c'est pas possible. Et ça... c'est ce qu'on appelle un intervalle du genre espace. Je vais vous dire un mot tout à l'heure sur le vocabulaire, pourquoi on appelle ça comme ça. Je vais juste finir ici. Quand I égale à 0, ça s'appelle un intervalle de genre lumière. Pourquoi ? Parce que quand I égale 0, ça veut dire que delta T est exactement égal à dAB sur C. Donc le temps qui s'est écoulé entre les deux événements, c'est exactement le temps qu'il faut à la lumière pour aller de A à B pendant ce temps.
Donc ça, ce sont des événements, deux événements qui sont juste reliés par un signal lumineux. Alors juste pour justifier les noms qui sont ici, si je veux créer de manière artificielle comme ça un quadrivecteur qui soit du genre temps, il faut qu'il y ait une grosse composante ici et une petite composante là pour que dans le produit scalaire, hein, c'est ça au carré moins les autres. Enfin, par exemple, si je prends ça, si je prends que 1 ici et puis que des 0 ici, ça c'est quelque chose dont la pseudonorme va être positive. Donc ça c'est du genre temps. Voilà, c'est du genre temps parce que bah, voilà, c'est comme un quadrivecteur qui aurait que une composante temporelle. Pour un quadrivecteur de ce type-là, ça, la composante temporelle est nulle. Quand je fais la pseudonorme, j'ai ça au carré moins ça au carré 1, je vais avoir quelque chose de négatif. Donc s'il n'y a que des composantes temporelles, on est dans ce cas-là. Pardon, que des composantes spatiales, on est bien dans ce cas-là et c'est effectivement du genre espace. Vas-y. Ça existe, le quadrivecteur avec intervalle de genre espace? Oui, ça existe, oui. Par exemple, on peut imaginer la situation suivante. On règle nos montres, nous, maintenant, à la même heure, on synchronise, d'accord? Tu restes là, moi je reste là, et on se dit, bah, à t égale 30 minutes de cours, ce qui est maintenant, on va faire un truc ensemble, par exemple, toi tu vas allumer une lampe, et puis moi aussi, d'accord? Si on fait ça, si en même temps, toi et moi, on appuie sur un bouton qui allume une lampe, ce sont deux événements qui sont simultanés pour nous, qui ont lieu au même temps. Donc le delta t est nul. Mais par contre, le delta x, la distance entre nous, elle n'est pas nulle. Il y a 3 mètres là. Donc nous, on est exactement dans cette situation-là ici. Le delta t dans cette situation-là est nul. Mais par contre, ça, c'est positif. Donc voilà, ce sont deux événements qui sont simultanés pour nous, mais qui sont séparés par une certaine distance. Ça veut dire, ce que ça veut dire, ça, bon, ces deux événements ne peuvent pas être liés causalement. C'est-à-dire, ça ne peut pas être moi qui, à un instant, te dit « Tiens, tu vas allumer ta lampe en même temps que moi, je suis en train de le faire. » On s'est décidé avant. On a décidé bien avant de faire une expérience en même temps, mais ce n'est pas moi qui, avec l'événement qui est d'allumer ma lampe, et déclencher le tien. D'accord ? Ça serait ça, un événement, une relation causale entre les deux. Ça, on aura l'occasion d'y revenir vraiment à plusieurs reprises. Alors, on en vient maintenant à une propriété qui fait que ces grandeurs, cette définition ici du produit scalaire est importante et fondamentale. C'est la propriété suivante. Je vais m'intéresser à l'intervalle du vecteur position et, entre deux événements. Donc je viens de dire que c'était quelque chose comme ça. C delta t au carré moins delta x au carré moins delta y au carré moins delta z au carré. On va faire un changement de référentiel. On va se placer maintenant du point de vue d'un référentiel R' qui est en mouvement par rapport à R suivant la direction x, la vitesse v, une transformation de Lorentz. On va regarder la même situation, mais du point de vue d'un référentiel en mouvement. Et on a vu que dans R', là, je vais réécrire la transformation de Lorentz, les nouvelles coordonnées, en fait même les écarts de coordonnées, puisque c'est du delta p ici, C delta t prime, delta x prime, delta y prime, delta z prime sont reliés à aux anciennes par gamma moins bêta gamma. Je ne sais pas vous, mais moi je commence à les connaître, hein, c'est là du coup. Hein. 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1. Et ici c delta t, delta x, delta y, delta z. Ce qui s'écrit aussi. C delta t prime, c'est quand on développe ce truc, c'est gamma, facteur de C delta t moins bêta delta x. Et delta x prime, c'est égal à gamma, facteur de delta x moins bêta delta C delta t. Ce que j'ai fait, j'ai juste développé ici la même. Et delta x prime, delta y prime, c'est delta y. Delta z prime, c'est delta z. À vous de jouer. Question à 2 balles. Vous allez calculer maintenant la nouvelle valeur de i dans le nouveau référentiel. C'est-à-dire que quelqu'un dans le nouveau référentiel qui calcule, non pas ça, mais les quantités primées. Si vous mettez des primes partout, et vous remplacez les grandeurs avec les primes par celles sans les primes, on va exprimer i', l'intervalle pour le référentiel primé, en fonction de i, celui dans le référentiel non primé. C'est pas très compliqué, allez-y, ça va vous prendre normalement 2 minutes, et vous allez pleurer de joie. Quand ça sera fini.
Ça serait alors I' ou ce serait toujours même intervalle? C'est I' pour l'instant. Oui, d'accord. Donc, calculer I', il y a C delta I'. Pardon? On va trouver le même. Oui, on va trouver le même, donc, tout à fait. Comment tu sais? J'en ai dit ce que vous avez dit. Vous avez dit pour l'instant. Ok. C'est la psychologie inversée. C'est ça. Ok, mais effectivement, on va trouver que I' est égal à I'. C'est ça le truc étonnant. Donc là, la recette, elle est vraiment simple. Hein. Vous remplacez là-bas le premier C delta G' par cette parenthèse-là. Vous avez un carré à développer. A plus B au carré égale à 2 plus B2 plus 2AB. Pouf. Pareil pour le deuxième terme entre parenthèses. Les deux derniers ici ne vont pas être affectés, c'est les mêmes. Et puis vous allez voir que des choses vont s'arranger dans les deux développements que vous aurez fait pour les deux premiers termes. Bon, je vais le faire en même temps, ne regardez pas. Quand vous avez fait le développement, normalement, vous avez des termes qui se ressemblent. Vous allez voir que vous avez des doubles produits qui se simplifient, qui disparaissent. Donc, c'était la première question. On a qui ont déjà le résultat? Non. Donc voilà, normalement vous arrivez à quelque chose comme ça. Donc hein, vous avez d'une part les doubles produits qui se simplifient. Ensuite j'ai rassemblé les C2 delta T, delta T carré. Il y en a deux, on peut mettre ça en facteur du coup. Voilà, et puis pareil pour les delta X. Et là où vraiment ça simplifie beaucoup, vous voyez ce qui se simplifie ici? Vous vous rappelez la relation, comment c'est défini gamma en fonction de bêta? Mm-hmm. Ouais. Ça, c'est 1 sur ouais. C'est défini comme ça. Hein. Gamma carré, c'est 1 sur 1 moins V2 sur C2, c'est-à-dire 1 moins V2. Donc ça veut dire que le produit gamma 2 fois 1 moins bêta 2, ça veut quoi? Ça fois ça. 1. Ça vaut 1, effectivement. Et ça, bah, on retrouve ici aussi. Ça vaut 1 aussi. Donc du coup, hein, bah, là, effectivement, I' est égal à C2. Delta T2 moins delta X au carré moins delta Y au carré moins delta Z au carré. L'intervalle,
effectivement, est le même dans les deux référentiels. Cette quantité n'est pas affectée par un changement de référentiel. Ça, c'est une propriété qui est vraiment forte. Si vous aviez eu envie de faire de la relativité, de réinventer tout seul la relativité, et d'introduire un truc à quatre dimensions, CT, X, Y, Z, mais en mettant la norme habituelle avec que des plus partout, ça n'aurait pas marché. Si vous pouvez définir I avec des plus ici, il n'y a aucun souci, vous avez le droit. D'accord ? Mais après, quand vous faites la transformation ici et que vous calculez le I', là, il y a une simplification qui n'aurait pas eu lieu, et vous auriez ici, à la place de 1 moins bêta 2, vous auriez les 1 plus bêta 2, qui n'a pas de simplification particulière avec gamma 2, et vous auriez une expression pour I' qui serait beaucoup plus compliquée que celle pour I. Donc cet intervalle dépendrait, la valeur de l'intervalle que vous auriez défini, dépendrait du référentiel dans lequel vous êtes. Ici, avec ce choix-là de produits scalaires et de pseudo-normes, c'est pas le cas, on dit que c'est un invariant relativiste. Ça, c'est un mot qu'on va retrouver souvent. L'intervalle est un invariant relativiste. Ça, j'espère que vous réalisez combien ça va être puissant, un invariant relativiste. Quand on a fait les quelques petits raisonnements là, avec les trains qui bougent et tout ça, vous avez vu que c'est super peu intuitif de se dire tiens, telle quantité change dans un référentiel, ah, le temps n'est pas le même, ah, les distances non plus, tout change. Ben non, tout ne change pas. Il y a des choses qui ne changent pas. Et ces choses-là, on va s'y accrocher, elles sont précieuses. Parce que si on les calcule dans un référentiel, on les connaît dans toutes. Donc ça va vraiment nous donner des informations importantes dans pas mal de situations physiques. Donc ça, c'en est une de ces quantités. L'intervalle entre deux quadrivecteurs en position ici est un invariant relativiste. En fait, la démonstration qui est ici est beaucoup plus générale. Je ne vais pas la faire ici, mais simplement je vous dis, si maintenant vous remplacez ici ça par les coordonnées d'un quadrivecteur, la coordonnée temporelle d'un quadrivecteur, ici sa coordonnée selon x, selon y, selon z, vous pouvez montrer exactement de la même façon que tout, pour tout quadrivecteur, pas seulement le vecteur position, la pseudonorme est aussi un invariant relativiste. La quantité qui est définie par ce que j'ai écrit tout à l'heure, de manière plus générale, pour tout quadrivecteur V, ça, c'est aussi un invariant relativiste. Et ça se démontre vraiment de la même façon. Voilà. Donc les quadrivecteurs, ça c'est une de leurs premières propriétés importantes. Ce sont des grandeurs dont la norme, ou la pseudo-norme, ne dépend pas du référentiel dans lequel on se place. Et ça, c'est vraiment tout à fait similaire, c'est tout à fait analogue à ce qu'on a vu tout à l'heure pour les vecteurs normaux dans l'espace 3 dimensions. Quand on fait une rotation de l'espace, la norme des vecteurs ne change pas. Ils tournent, mais leur norme ne change pas. Ici, c'est une transformation plus générale, c'est une transformation de Lorentz. C'est pareil, la pseudo-norme de ces nouvelles quantités ici ne varie pas, ne change pas quand on fait une transformation plus compliquée, une transformation de Lorentz. Alors, j'ai encore juste un truc à vous dire sur celui-là en particulier, l'invariant, donc l'intervalle ici associé à ça. Donc ça, je vais l'effacer, je vais laisser au tableau que ça. Et là aussi, ce que je vais vous dire, c'est ça va finalement être simple, mais ce qui est important, c'est vraiment le raisonnement. Donc, pas grand-chose, il n'y a pas de calcul dans ce que je vais vous dire, mais il faut comprendre le raisonnement qui est derrière. Là, la quantité qui est ici, donc ça c'est I', je vais aussi l'appeler I du coup, c'est le même pour tout, donc je l'appelle I, voilà. On définit l'intervalle entre deux événements de cette manière-là, et ça ne dépend pas du référentiel dans lequel on se place. Si ça ne dépend pas du référentiel dans lequel on se place, je peux très bien calculer, estimer cette grandeur dans un référentiel particulier, qui est par exemple en train de suivre une particule. Imaginez que j'ai une particule qui soit... Tiens, je vais dessiner un petit diagramme d'espace-temps, du coup ça va faire un peu la vision. Au début, la particule est là, et puis elle fait un trajet comme ça dans l'espace-temps. Elle est bien toujours contenue dans le cône de lumière, tout va bien, et puis voilà, elle a différentes coordonnées au cours du temps. Imaginez qu'à un instant donné, je me place dans un référentiel dans lequel la particule est au repos. La particule est en train de bouger, stop. À un moment donné, elle est en train d'aller par là-bas, par exemple, à une certaine vitesse. Ben, moi, je marche à la même vitesse. Et à ce moment-là, je trouve, quand elle est en train de passer par là, pour moi, la craie est immobile. Je mets dans le référentiel dans lequel, à un instant donné, la craie est immobile.
À cet instant-là, si la craie est immobile, ça veut dire qu'entre des événements vraiment très voisins autour de cet instant-là, la quantité qui est ici dans le nouveau référentiel, c'est dans le référentiel en train de bouger, ça je vais l'appeler delta T'. Okay. Et dans le nouveau référentiel, celui dans lequel je me déplace avec la craie, finalement, la craie ne bouge pas pour moi, donc son déplacement pour moi, il est nul. La craie, comme elle est au repos dans mon référentiel, là je suis en train de bouger avec elle, la craie ne bouge pas. Donc ça fait 0, 0 et 0. Donc on a codé 0 ici. Si je me place dans le référentiel en train de suivre la craie, je me place dans le référentiel dans lequel la craie est au repos, tous les termes ici sont nuls et je me retrouve avec ça. Or, cette quantité-là, on l'a déjà donné un nom là. Ça, c'est le temps mesuré dans le référentiel qui est en train de suivre la craie. C'est le référentiel, finalement, de la craie. Hein. Comment on a appelé le temps dans le référentiel lié à l'objet en mouvement? Vous vous rappelez ça? C'est juste un mot là. Oui, c'est le temps propre, hein, effectivement. Donc ça, c'est le temps propre. Hein. C'est le temps indiqué par une horloge, par quelqu'un qui est assis sur la craie, si vous voulez, et à ce moment-là, il regarde sa montre, voilà le temps qui est écoulé. Ça, c'est le temps propre. Et donc, vous voyez que la quantité qui est ici, le I', là, dans cette situation-là, c'est finalement donné par C carré fois E temps propre. Et ça, je vais le noter delta taux. Je vais mettre dans toute la suite du cours un taux, la lettre grecque, pour indiquer le temps propre. Au lieu de mettre des T'. T', ça veut dire le référentiel dans le temps dans un référentiel en mouvement, ça peut être n'importe lequel. Là, on s'est mis dans un particulier, celui qui suit l'objet, donc j'ai noté un taux. Et ce que je suis en train de vous dire ici, du coup, c'est que ce I', c'est donné par C2 delta taux, et je vais l'écrire comme ça. C2 delta taux au carré, c'est I, ce que j'ai appelé I, et c'est aussi C2 delta t au carré moins delta x au carré moins delta y au carré moins delta z au carré. Ça donne une interprétation physique de ce que c'est que cet intervalle I. Quand on est dans une situation ici où c'est une particule qu'on est en train de suivre, et ben la racine carrée de I, ça donnera C fois delta taux, donc au facteur C près, ça donne finalement ça, le temps propre qui s'est écoulé. Donc I ici, l'intervalle entre deux événements, ça nous donne une indication sur le temps propre qui s'est écoulé pour l'événement. Donc ça, on verra tout à l'heure, ça va avoir une importance dans la suite du développement formel qu'on a fait. Alors, je vais le développer un tout petit peu, ça, pour donner aussi une autre écriture qui va intervenir dans la suite. Ça, imaginez que je mette delta, que je mette quoi, un facteur delta, que je mette delta t en facteur, c'est ça que je veux faire, pardon, excusez-moi. Je mets delta t carré en facteur là-dedans, ça donne C2 moins delta x2 sur delta t au carré, moins delta y au carré sur delta t au carré, moins delta z au carré sur delta t au carré. Dites-moi un truc intelligent sur ça. À part, c'est pas beau. Ouais, c'est effectivement ça. Quand l'intervalle delta t devient de plus en plus petit, quand on tend vers la limite d'événements très proches, ça, c'est le rapport de delta x sur delta t, c'est la composante x de la vitesse. Ça, c'est la composante y, ça, c'est la composante z. Donc ça, c'est donné par moins vx carré plus... Ça tend vers vx carré moins vy carré plus vz carré. C'est-à-dire ça, c'est simplement la norme de la vitesse au carré, hein, le vecteur vitesse, cette fois-ci. C'est donc le i qui est là-haut, qui est donné par c delta t au carré. C'est donné par delta t au carré, facteur de C2 moins V2. Donc V ici, hein, le carré V, ça veut dire la norme du vecteur tridimensionnel. Hein, c'est vraiment le vrai vecteur spatial ici. Donc, ben ça, si je divise tout par C, ça me dit que delta taux est égal à delta T fois 1 moins V2 sur C2. Et ça, c'est 1 sur... Et il y a la racine carrée, sans c'est un du coup, j'ai aussi pris la racine carrée. Et ça, c'est 1 sur gamma. 1 moins V2 sur C2, c'est 1 sur gamma 2. Je prends la racine carrée, donc c'est 1 sur gamma. Donc delta t ici, c'est delta t sur gamma. Est-ce que ça vous dit quelque chose, ce genre de formule? En fait, on l'a vu d'une manière un petit peu différente. On a vu sous cette forme-là
sans vraiment employer la notation tau, mais ce que dit la relation qui est là, c'est que le temps écoulé dans le référentiel dans lequel on voit la particule bouger, c'est gamma fois le temps écoulé pour la particule. C'est gamma fois le temps. Ça, c'est la dilatation temporelle des durées, hein, relativiste. Pour la personne qui est sur la craie et qui a une montre, qui regarde sa montre, il s'écoule ce temps-là. Pour la personne qui voit la craie passer, ben, en fait, il voit un temps plus long. Donc là, il y a beaucoup de choses. Hein. Ce n'est pas très compliqué, encore une fois, au niveau des calculs, mais au niveau conceptuel, n'hésitez pas à poser des questions s'il y a quelque chose qui vous semble bizarre. Je vous laisse une minute pour processer ça, éventuellement, vous laisser le temps de poser des questions. Vas-y. Donc, en fait, on a montré la dilatation du temps. Vous pouvez l'écrire sous forme de quadrilatère. C'est ça qu'on a fait. Ce qu'on a fait, c'est dire que la dilatation du temps, c'est ça, on peut le voir, ça s'interprète comme le fait que l'intervalle est le même pour tout le monde, une quantité qui est un invariant relativiste. Du coup, comme cet intervalle est relié d'une part au temps propre pour le gars qui est en train de bouger sur la craie, et d'autre part au temps qui s'est écoulé dans le référentiel fixe, parce que l'on voit la craie bouger, donc le fait que que I soit le même pour les deux, ça relie du coup les deux temps. Voilà, c'est vraiment ça qu'on a dit. C'est conceptuellement pas différent de ce qu'on a déjà fait, c'est juste une autre manière de l'approcher. Vas-y. Delta tau, c'est toujours delta t' en fait. C'est delta t' si le référentiel r' est tel que la particule est au repos. C'était important parce qu'on a mis des zéros là, je te rappelle, dans le i. Donc j'ai bien dit à moi, attention, r' c'est le référentiel dans lequel, au temps considéré, la particule est au repos. C'est ça qui a permis de dire que ça était égal à ça. Ok ? C'est son référentiel propre, le référentiel. Oui, c'est ça, effectivement. Le référentiel R' qui est dans lequel la particule est au repos, on appelle ça le référentiel propre. Donc, retenez bien, la quantité I ici est un invariant relativiste. C'est la même chose pour tous les observateurs. Ça ne change pas quand on fait une transformation de Lorentz. Bon. Dernière étape de ce petit voyage aujourd'hui au pays des quadrivecteurs. Le quadrivecteur vitesse. 3. Quadrivecteur vitesse. Donc vous allez voir dans la suite, hein, au fur et à mesure, que ces quadrivecteurs jouent vraiment un rôle très important dans le formalisme et du coup dans la physique aussi. Et ce qu'on va. Le but du jeu, c'est finalement d'essayer de trouver les analogues quadrivecteurs des vecteurs qu'on connaît de d'habitude. Donc le vecteur position à trois dimensions, on l'a remplacé par le quadrivecteur position en ajoutant le temps. La question qu'on va se poser maintenant, c'est on connaît plein d'autres vecteurs en méca qui sont intéressants, qui sont importants, la vitesse, l'accélération, la quantité de mouvement, voilà, tout un tas comme ça. Quel est leur analogue, s'il y en a un, dans leur analogue quadrivectoriel? Donc on va commencer par la vitesse. J'ai une question tout à l'heure, c'est les quadrivecteurs suivent les mêmes lois que les vecteurs dans les espaces vectoriels. Enfin, ça peut vivre dans un espace vectoriel. Oui, tout à fait, c'est un espace vectoriel. Alors, ils sont un peu particuliers du point de vue mathématique, parce que quand vous avez étudié les espaces vectoriels, quand vous avez introduit un produit scalaire et une norme, vous avez défini la norme comme une application qui était définie positive. Ce qui n'est pas le cas ici, c'est des pseudo-normes. Donc il faut quand même réviser un petit peu, revoir les manières dont vous avez défini des espaces vectoriels. Il y a certains petits détails qui vont changer. Globalement, on peut, ça a les propriétés suivantes, on peut ajouter des quadrivecteurs, on peut les combiner linéairement, on peut les multiplier par un nombre, donc ça c'est des propriétés espaces vectoriels qui sont là. Mais dès qu'on commence à s'intéresser aux normes et aux produits scalaires, là ça change un petit peu par rapport à ce que vous connaissez. Oui. Le produit vectoriel, c'est pareil, il est changé. Ah, alors, très bonne question. Le produit vectoriel, c'est quelque chose de vraiment très particulier aux espaces tridimensionnels, en fait. Il n'y a pas de produit vectoriel dans un plan, par exemple. Si vous essayez de prendre deux vecteurs, tu fais le produit vectoriel, ça n'a pas de sens, parce que ça donne un truc qui sort du plan. Donc c'est vraiment quelque chose qui est spécifique à trois dimensions. Donc du coup, quand on passe à 4 dimensions, ça n'a pas trop d'intérêt non plus. On peut garder le produit vectoriel pour la partie spatiale, là, le sous-espace de dimension 3 de l'espace-temps,
Mais ça perd son intérêt parce que justement ça se transforme de manière un peu bizarre dans les transformations de Lorentz. Donc il y a des choses qui généralisent le produit vectoriel. Honnêtement, je ne sais pas encore si on aura l'occasion de les rencontrer ou pas. Je ne sais pas, on verra. Alors, le quadrivecteur vitesse, à moins qu'il y ait d'autres questions. Donc, quadrivecteur vitesse, on a envie de construire à partir du vecteur vitesse qui est défini. Donc, ça, c'est des vraies flèches ici. Je m'intéresse à l'espace 3 dimensions d'onde pour commencer. Vous rappelez que c'est défini comme la dérivée du vecteur position par rapport au temps. D'accord ? C'est-à-dire, on écrit quelque chose comme ça, dx, dy, dz, est égal à d sur dt de x, y et z, si je me place par exemple dans un référentiel, dans un repère cartésien, voilà, d'axe x, y, z. Donc ça, c'est en 3D. Dans l'espace-temps à 4 dimensions, on aurait envie d'essayer la chose suivante. Et se dire, tiens, je vais prendre v, qui est égal à d sur dt, on va avoir envie de, je vais mettre un point d'interrogation, en fait, on va voir que ça ne marche pas, ça. Donc ce que je suis en train d'écrire là, ça ne va pas être la définition finale. Mettez un petit truc dans la marge pour vous en rappeler, mais voilà. Et ben voilà, du vecteur R, du quadrivecteur R comme ça. On va envie de se dire, c'est peut-être le moyen de généraliser. C'est-à-dire, on va écrire, on va essayer d'écrire VT, VX, VY, VZ est égal à D sur DT de CT, VX, pardon, X, Y. Si on fait ça, bah on voit qu'il y a déjà un truc qui se simplifie. Donc ça, on se dit, tiens, c'est sympa. Parce que quand on dérive les différentes grandeurs ici, D sur T de C fois T, bah ça fait simplement C. Voilà. Et puis là, on se retrouve avec, ici, bah, D sur DX sur DT, c'est la vitesse, c'est VX, VY, VZ. Donc effectivement, la coordonnée X, la coordonnée T ici est assez simple, cet objet, c'est C. Et la coordonnée, les coordonnées X, Y, Z, bah, c'est les coordonnées de la vitesse qu'on avait prise au départ. Donc ça, cette définition-là, reviendrait à prendre le vecteur V tridimensionnel et puis ajouter une composante qui est simplement C. Voilà, on prend le vecteur, on ajoute C, ça fait quelque chose qui ressemble à un quadrivecteur. Attention, c'est ici. Maintenant, là, les 5 minutes qui viennent, il faut vraiment porter attention. Après, vous pourrez vous rendormir si vous voulez. Mais c'est vraiment ici qu'il faut être attentif. On va se demander si ça, c'est vraiment un quadrivecteur. Vous vous rappelez, il ne suffit pas de mettre 4 nombres dans un truc pour faire un quadrivecteur. Pour que ça soit un quadrivecteur, il faut le vérifier de la manière suivante. On va se dire, je vais me placer dans un autre référentiel R'. Je vais écrire les coordonnées de ce vecteur-là, c'est-à-dire de ce quadrivecteur V'T, V'X, V'Y et V'Z dans le référentiel R'. Et je vais me demander, est-ce que ça... ça découle de ça par transformation de Lorentz. En fait, on a deux manières de calculer ça. D'une part, par transformation de Lorentz, et d'autre part, en se posant la question, quelle est la vitesse que voit un observateur dans R'. Et on va voir que ces deux manières de calculer ne coïncident pas. C'est-à-dire que le vecteur obtenu de cette manière-là, si on prend ça comme définition, le vecteur obtenu avec ça comme définition, ne vérifie pas les transformations de Lorentz. Je le fais explicitement dans R'. Donc R', c'est un référentiel ici qui est en train de se déplacer par rapport à R, à vitesse constante, dans la direction X. Okay, comme d'habitude, configuration standard. Si on prend cette définition-là pour le quadrivecteur, comment est-ce que l'observateur dans R' va écrire les coordonnées de ce truc? Ben, il va écrire, il va aller voir là, hein. Il va faire exactement la même chose que là, avec des primes partout. Donc il va mettre prime là, 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 là. Il va se retrouver avec ça, avec toujours C en haut. Et puis ici, il va trouver V'X, V'Y et V'Z, qui sont pour lui les coordonnées, les dérivées des coordonnées X', Y', Z' par rapport au temps. T'. Donc ça, c'est ce que va se dire le gars dans R'. Maintenant, le gars dans R, il peut essayer de deviner, tiens, qu'est-ce que l'autre va trouver comme coordonnées. Si effectivement ça c'est un quadrivecteur, ben, il y a une autre manière de l'obtenir, c'est de prendre ça et d'appliquer la transformation de Lorentz. On devrait retrouver ça. Faisons-le. Et ça se fait aussi
extrêmement facilement, puisque si je fais la transformation de Lorentz, c'est gamma moins bêta gamma 0, 0, moins bêta gamma gamma 0, 0. Si j'applique la transformation de Lorentz à cette quantité-là, le candidat pour être quadrivecteur, ben je le fais, c'est parti, ça, ça donne. Je vais l'écrire ici, continue la ligne. Bon, ça se fait de tête, hein. Ça fait quoi sur la première ligne ici? Gamma c. Gamma facteur de c moins bêta vx. Je ne vais pas plus loin. Ça, c'est la première ligne, il y en aurait d'autres. Je ne vais pas plus loin. Déjà, c'est raté, ça ne marche pas. Ici, ça, c'est pas égal à C du tout. Et vous pouvez transformer autant que vous voulez, vous ne pourrez jamais trouver une formule qui dit que ça, c'est égal à C, puisque ça dépend de Vx. Donc, vous allez trouver des valeurs différentes pour Vx, et une grandeur qui dépend de Vx, voilà, elle n'est pas toujours égale à C. Ça, ce n'est pas égal à ça. Donc, le vecteur, ce truc dont on voulait que ça soit un quadrivecteur vitesse, là, dans le référentiel R' à une composante temporelle qui vaut C, mais si on fait la transformation de Lorentz, on trouve quelque chose de différent. Donc cette quantité-là, la quadrivitesse qui serait définie de cette manière-là, n'est pas en fait un quadrivecteur. Ça ne marche pas. Donc ça, c'est vraiment important, hein. C'est pas parce qu'on met quatre nombres comme ça dans un objet que c'est un vecteur ou un quadrivecteur. Il faut vraiment regarder comment ça se transforme avec une transformation de Lorentz. Donc là, on est embêté, que faire? Je vais vous dire, parce que là, les premières fois, ça ne s'invente pas forcément non plus. Je sais pas, est-ce que quelqu'un a une idée de comment on va faire ça? Je vais me demander. On rajoute des termes au niveau de la vitesse pour pouvoir retrouver un C. Alors, d'accord. Alors, on pourrait effectivement rajouter des termes, mais alors il faut faire attention parce que si on rajoute, si on change la définition là, ça va changer ce qui est ici. Mais on pourrait effectivement essayer de changer pour qu'on ait la même chose là que là. Ça va être une méthode calculatoire, voilà, c'est pas la plus maligne, mais on peut essayer de faire ça. En fait, ça va être beaucoup plus simple que ça. Ça, je l'efface. Et ça va être basé, la manière de faire, sur la remarque suivante. R, souligné, ça, là, ça c'est un quadrivecteur, d'accord? On a vu effectivement que ça se prend, on l'a même défini comme ça, en fait. Ça, c'est l'archétype du quadrivecteur. Si maintenant j'écris dr, comme ça, le dr qui est ici, ça va être une différence élémentaire entre deux quadrivecteurs, ça c'est aussi un quadrivecteur. Je prends deux choses qui se transforment comme des quadrivecteurs, je fais la différence entre deux événements qui sont séparés par un tout petit temps, et ben ils vont être très peu séparés. Ça c'est un quadrivecteur aussi, ça se transforme comme un quadrivecteur. Et le truc c'est que je vais définir une vitesse quadrivitesse en divisant ça par quelque chose qui est la même chose dans tous les référentiels. Je vais prendre des taux. Ici, des taux. Le des taux, hein, je vous rappelle, c'est donné par le i sur c. Voilà, et c'est racine de i sur c. Vous rappelez que i, hein, c'était c carré de des taux 2. Ça, c'est la même chose dans tous les référentiels, ça, c'est une constante. Donc ça, le des taux qui est ici est le même dans tous les référentiels. Et quand on définit V comme ça, en dérivant non pas par rapport à T, mais par rapport à taux, ça donne effectivement une grandeur qui est la même dans tous les référentiels. Et il n'y a même pas besoin de faire de calcul. Je vais vous indiquer quand même comment on peut le vérifier. Mais sans faire de calcul, si je définis la quadrivitesse comme ça, et ça c'est effectivement la définition correcte, pour l'observateur qui est dans le référentiel R', il va trouver un vecteur V' qui est donné de la manière suivante. Pour cet observateur primé, il va prendre la dérivée de son R'. Là, j'ai mis la barre en haut, là-bas. Pardon. Elle est en bas, vous avez tous modifié. Il fait la dérivée du R' à lui. Il divise par un détaux qui est le même. Hein, puisque ici, je vous rappelle que donc, taux, c'est un invariant relativiste. Donc les deux ici considèrent les mêmes temps détaux. Et ça se transforme comme par la transformation de Lorentz. Ça, c'est invariant de Lorentz, invariant relativiste. Donc cette quantité-là se transforme effectivement comme le quadrivecteur R. Ce qui posait problème tout à l'heure avec le temps, c'est que le temps n'était pas le même ici et là. Donc certes, lui se transforme comme un quadrivecteur et lui aussi, mais on divise par quelque chose qui n'est pas la même, qui n'a pas la même valeur dans les deux cas.
En divisant par le temps propre, on obtient effectivement une grandeur qui est invariante pour la sinistre, c'est la même de Lorentz. Plus précisément, on obtient une grandeur qui se transforme comme un quadrivecteur. Ça, c'est la définition de la quadrivitesse. On va maintenant discuter un petit peu plus longuement de ça. Mais d'abord, je vous dis comment on pourrait faire comment on pourrait démontrer effectivement que c'est un quadrivecteur en se basant sur la même démonstration que celle que je suis en train d'effacer là. Donc la manière de vérifier que ça c'est un quadrivecteur, c'est la suivante, c'est de se dire je vais écrire les coordonnées de ce vecteur là dans un référentiel. Ça, je peux commencer à le faire. Donc c'est d sur d taux de ct x, y et z, qui a pour coordonnées du coup c dt sur dt, dx sur dt, dy sur dt, dz sur dt. Et alors avant d'aller plus loin, je vais quand même utiliser une remarque que j'ai faite tout à l'heure. Vous vous rappelez qu'il y a une relation entre le dt et le dt. Je l'avais écrit avec des delta tout à l'heure, et on a écrit tout à l'heure quelque chose qui est dt est égal à gamma dt. Non, on n'a pas écrit ça du tout. On a écrit le contraire. On a écrit tout à l'heure que dt c'était égal à dt sur gamma. D'accord, on avait écrit des delta, mais on est arrivé à ça. Donc du coup, là-dedans, quand on dérive par rapport à taux, je peux remplacer par cette expression-là, et ça me donne ici quelque chose qui est c. Du coup, dt sur dt, ça vaut quoi? Gamma. Effectivement, là, c'est gamma c. Et là, on se retrouve avec gamma fois dx sur dt. Dx sur dt, c'est la vitesse suivant x. Donc on a ici gamma vx, gamma vy, et gamma vz. Voilà les coordonnées de la quadrivitesse dans ici le référentiel R. Vous voyez que c'est presque comme tout à l'heure, mais il y a les gammas en plus. On a une expression plus compliquée, où on a ici non plus C mais gamma C, et ici non plus la vitesse tridimensionnelle, mais gamma fois la vitesse tridimensionnelle. Bon, et bien ça, vous pouvez montrer que pour R', d'une part, si R' prend cette définition-là, R' va écrire que les coordonnées de son vecteur sont données par gamma prime fois C, gamma prime V'X, gamma prime V'Y et gamma prime V'Z. Bon. Donc ça, c'est ce que va écrire. V', il ne sait pas qu'il est dans un référentiel prime, c'est son référentiel à lui, donc il prend la définition qui est ici, il met gamma fois la vitesse, son gamma à lui. Alors, je vais aussi introduire ici une notation à partir de maintenant qui va permettre d'éviter des ambiguïtés entre différents gamma qu'on peut introduire. Donc faites attention parce que je vais les faire rétroactivement ici sur certaines des choses que j'ai écrites. Le gamma, jusqu'à maintenant, quand on l'a introduit, ça concernait la vitesse d'un référentiel par rapport à un autre. On était dans un référentiel, on faisait une expérience, quelqu'un d'autre était dans un autre référentiel, qui allait à la vêtesse V par rapport au premier, j'ai défini bêta et gamma avec ce V-là, c'était la vitesse relative des référentiels. Ici, j'ai commencé à faire autre chose, le gamma qui est ici, c'est relié à la vitesse de la particule. On avait une particule qui se déplaçait à une certaine vitesse, du coup, je peux calculer le bêta de la particule, et ce que j'ai appelé bêta ici, c'était V sur C, où V, c'est la vitesse de la particule dans le référentiel que je suis en train de considérer. Donc, ce bêta-là, je vais lui mettre un indice P pour dire qu'il s'agit du bêta de la particule. Ça, c'est le bêta, ça concerne la vitesse de la particule dans le référentiel R, et ce que je vais appeler bêta prime P, c'est V prime sur C, c'est la vitesse de cette même particule, mais cette fois-ci dans le référentiel R prime. Et il y a un autre bêta qui est éventuellement la vitesse du référentiel 2 par rapport au premier, qui n'a pas forcément de lien avec ces deux-là. Je peux très bien avoir cette craie-là que je balance, elle va à 4 cm par seconde dans mon référentiel. Je peux très bien l'étudier depuis un référentiel qui marche à 1 mètre par seconde. Donc j'ai la vitesse de la craie 4 cm par seconde dans le référentiel fixe,
j'ai la vitesse du référentiel R' qui est de 1 mètre par seconde, et puis la référentielle de la craie dans le référentiel mobile, ce sera encore autre chose. Donc on a trois vitesses ici qui interviennent. Il peut y avoir trois vitesses qui interviennent. Donc du coup, je vais faire cette notation-là, je vais vraiment prendre des notations spécifiques pour les grandeurs relatives aux particules, et c'est le cas du gamma ici aussi. Ça. Là, le gamma qui est là, c'est dans le référentiel R que je suis en train de considérer, la particule a une certaine vitesse, du coup je peux calculer son état et son gamma, et je mets des petits P ici. Par là. Et du coup là, il y en a aussi, ça ce sont les gamma prime de la particule. Et on peut montrer, et c'est là où ça demande un petit peu de manipulation, donc ça je voulais vous le faire, mais du coup on fera plutôt en TD. On peut montrer que si on prend le quadrivecteur qui est ici et qu'on en fait une transformation de Lorentz, c'est-à-dire si je fais gamma, cette fois-ci le gamma c'est bien le gamma lié à la vitesse relative entre les référentiels. Si j'applique la transformation de Lorentz, A au quadrivecteur qui est là-bas, gamma P fois C, gamma P fois VX, gamma P fois VY, et gamma P fois VZ. Alors ici, ça commence à être serré. Là, le quadrivecteur qui est là, c'est celui qui était là-bas. Si je calcule ça, ce produit matriciel là, ça va faire un truc un peu compliqué. On va avoir gamma fois gamma P fois C, hein, voilà. Et on va trouver que quand on met effectivement tout ça ensemble et qu'on fait le calcul, ça prend trois lignes, on trouve qu'effectivement, on retombe sur ça. On trouve effectivement gamma prime C, gamma prime P V prime X, gamma prime P V prime Y, gamma prime P V prime Z. Et donc on tombe effectivement sur ça, sur la quantité qu'avait écrit déjà de toute façon le gars dans le référentiel. Donc ça c'est bien quelque chose qui se transforme comme un quadrivecteur qui a les bonnes propriétés de transformation vis-à-vis des transformations de l'organisme. Vas-y. Le gamma P, c'est le gamma de la particule dans R, et le gamma, c'est le gamma du référentiel R' dans R. Exactement. Nous, dans les exos comme ça, au début, je les trains, le gamma, il était toujours le même, parce que si on se passait sur le quai, c'était le train qui allait vite, et si on était en train, c'était le quai qui partait. Dans ce qu'on a fait avant, ce qui était plus simple que ça, c'est qu'essentiellement, il y avait VX qui était nul. On était il n'y avait pas d'objet qui était en train de bouger dans le train. Il y avait le train qui était un référentiel mobile. Donc on avait par exemple le référentiel du quai qui était R et le référentiel du train R'. Et les objets dans R' ne bougeaient pas. Là, c'est un petit peu plus compliqué. On peut avoir un objet en mouvement dans un référentiel et on l'observe depuis un autre référentiel, lui-même aussi en mouvement à une autre vitesse. Donc c'est ça la complication ici par rapport à ce qu'on a fait. Allez-y, continuez si vous avez d'autres questions. Alors, il reste quelques minutes, donc je ne vais surtout pas faire très rapidement un truc comme je fais d'habitude et puis ne pas avoir le temps de le faire. Je vais juste commenter un tout petit peu sur l'expression qui est ici. Donc le quadrivecteur Vicès, il faut considérer qu'il va avoir un intérêt et des propriétés intéressantes en relativité, donc c'est donné par gamma de la particule fois C, gamma P fois Vx, gamma P fois Vy, gamma P fois Vz. Voilà. Calculons ensemble la norme, la pseudo-norme de ce quadrivecteur. On sait que c'est un quadrivecteur, sa pseudo-norme est invariante par changement de référentiel, c'est probablement quelque chose qui va nous servir dans la suite, c'est le cas. On va finir sur ça en fait. Calculez ça. Et vous auriez gagné le droit d'aller manger. Par contre, grouillez-vous, parce que j'ai fait aussi. C'est en bas. Et c'est en bas. Je le refais pour la caméra parce que sinon je vais copier le truc, le mettre en bas, ça va prendre 2 heures. Donc calculons le produit.
le trait en bas. Troisième. Calculons. Et là, tout le monde se marre, en fait, c'est ça. Pas forcément. Donc, on va tous garder son calme. On va calculer. V. Scalaire V comme ça. Ça, c'est la pseudo-norme au carré du quadriducteur V. À vous de jouer. Et alors, effectivement, quand on écrit le truc brutalement, on est peut-être un petit peu perplexe parce qu'on a des choses compliquées. Je vais quand même vous donner un petit coup de main. Gamma P carré se met en facteur de tout. Là, vous êtes d'accord. Et ce qu'on trouve dans le reste, c'est C carré, c'est cool, moins Vx carré, moins Vy carré, moins Vz carré. Vous trouvez ça? Comment on va plus loin? C'est là où stop, vous êtes bloqué. Tout ça, effectivement, ça c'est, on va l'écrire comme C2 facteur moins la norme de V au carré. Ça c'est donc la norme ici du vecteur tridimensionnel. Tiens, je vais mettre C carré en facteur. Truc de fou. 1 moins bêta au carré. Le bêta qui est ici, c'est V de la particule sur C, donc c'est ce qu'on appelait bêta P1. Avec un petit peu tout à l'heure. Dites-moi un truc intelligent là. Ouais. Tout ça là, ça fait 1. Encore une fois, un gamma, c'est défini comme un. Gamma carré, c'est 1 sur 1 moins bêta 2. On l'a déjà vu tout à l'heure. Donc la quantité, donc ça vaut effectivement 1, la quantité que j'ai soulignée. Et donc tout ça vaut C carré. Donc, le quadrat vecteur vitesse, il a pour pseudo-norme C carré. On voit d'ailleurs, hein, ici, propriété, donc ça vaut ça, mais c'est une constante. Ça va être la même chose dans tous les référentiels. Ça, c'était une propriété, je vous ai dit, des quadrivecteurs. Ben voilà, sur celui-là, on le vérifie, effectivement, ça ne dépend pas du référentiel dans lequel on se place. Les coordonnées individuelles ici varient, hein. Quand on fait un changement dans le référentiel, bah, tout varie là-dedans. Gamma P varie, donc le terme temporel varie, et puis les autres composantes varient aussi, mais par contre ça ne varie pas.